وسلموا تسليما. صلي وسلم على محمد، صلي وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي، أبنائي بناتي، أعزائي عزيزاتي، أصدقائي صديقاتي، أعدائي عدواتي، مزلمي مزلمي صافيان باي كالله بيس. Je vous aime tous en Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne sais pas comment vous le dire, mais je vous le dis. J'espère que ça avance bien. Est-ce que j'ai dit salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh? Je la redis si je ne l'ai pas encore dit. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs bien-aimés partout dans le monde, mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur d'ouvrir leur cœur à l'islam, déployez-vous. Soyez sincères. Arrêtez d'être cathodiques, cybernétiques. Et ouvrez vos cœurs et déployez-vous dans une recherche sincère. J'ai beaucoup d'affection pour vous, je vous le rappelle à chaque fois. J'aimerais bien qu'on avance ensemble dans le respect, l'amour, la fraternité, la joie et la bonne humeur. Qu'Allah vous accorde les délices infinis de la guidée islamique. Je remercie du fond du cœur les frères et les sœurs qui se soucient de moi et qui me contactent quand ils voient que je commence à négliger le rappel. Je les remercie du fond du cœur. J'ai eu l'honneur, alhamdoulillah, et le bonheur, alhamdoulillah, d'assister à une maraude hier. Et subhanallah, ça m'a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Comme d'habitude, chaque expérience de la vie nous apprend beaucoup de choses, alhamdoulillah. Ce sont des moments de la vie, quand on se rappelle de nos vies finalement. On ne peut retrouver que ces moments-là, on essaye de partager avec les autres, avec ceux qui souffrent. Donc je conseille mes frères et sœurs de participer. Je les conseille à participer ou de participer. Choisissez, je perds le nord. Je perds mon front aussi. Ça fait longtemps. Et vous savez que je ne suis qu'un petit bédouin de rien du tout qui s'incruste dans cette belle langue qui est la langue française. Mais vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Donc, je conseille mes frères et sœurs de se déployer dans ces maraudes, normalement aussi les musulmans aujourd'hui présents en France, se déploient 2-3 fois au plus par semaine, normalement les SDF, et les pauvres mangeront à leur faim, normalement. Donc que chacun de vous, Inch'Allah, vise son quartier et commence par pas grand chose. Vous allez voir que Allah subhanahu wa ta'ala mettra la baraka et facilitera. Donc ça, c'est l'initiative de quelques jeunes nés en France, qu'Allah les bénisse. Ils ont commencé par pas grand chose, alhamdoulilah, il y a aujourd'hui, les gens se concurrencent, mashallah, pour participer, pour contribuer, pour aider cette association qui se déploie pour aider les pauvres et les SDF. Donc, dans cette maraude, j'ai rencontré quelques personnes très, très malmenées par leurs problèmes de la vie. Souvent, ils avaient de bonnes situations. Et un problème de la vie a fait qu'ils ont basculé. Et depuis, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Donc, j'ai voulu parler d'un cas et qui m'a fait beaucoup réfléchir, subhanallah, et qui m'a fait beaucoup méditer. Donc, il est venu me voir. Très rapidement, il a commencé à pleurer. Il était ivre mort. Il a commencé à pleurer. Il m'a raconté son parcours en me disant que il est issu d'une famille très riche, très 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 riche, dans un blad. Et l'éducation qu'il a eue était une éducation, on va dire, laxiste, où il pouvait se permettre et faire tout ce qu'il voulait. Donc depuis très très longtemps,
il touchait à l'alcool. Mais c'était sûrement sporadiquement. Et il est venu en France, il s'est installé en France, il m'a montré même sa maison en France, quelque part. Et il a eu un souci de vie, une séparation. Et donc il s'est séparé de Imam et de Mahdi. Donc il pleurait en me racontant son histoire. Il pleurait, il pleurait. Et il me demandait une seule chose. Et c'est ce que je vous demande, s'il vous plaît, vous allez faire des invocations pour ce frère Abu Iman. Il s'appelle Hakim. Al-Hikmatu, la sagesse. Son père l'a appelé Hakim. Hakim le sage. Abdul Hakim, le serviteur du sage. Donc il m'a demandé de faire des invocations pour lui, pour que Allah subhanahu wa ta'ala le débarrasse de l'alcool. Il me dit, maintenant, je n'ai plus de vie. Je suis tout le temps alcoolique. Et j'aimerais bien un jour vous parler en n'étant pas ivre. Et il pleurait vraiment, c'était triste, subhanallah. Et c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Quelqu'un qui croit en Allah, subhanahu wa ta'ala, malgré un état de d'ivresse totale, subhanallah, il se rappelait d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il disait de belles choses sur ce qu'on peut atteindre comme méditation par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc chacun de vous, inshallah, fera des invocations pour que Allah subhanahu wa ta'ala l'aide à surmonter cette grande, grande, grande épreuve et à dépasser, inshallah, cette étape de sa vie qui est un peu difficile et douloureuse et qui va l'aider, inshallah, un jour ou l'autre, si et seulement si il est sincère et si et seulement si il se déploie. N'arrêtez pas de me dire je suis con. Moi, je suis un con. Mais moi, je suis un con. Je n'arrête pas de boire. Et il rêve, mesquine, il rêve, le pauvre, de d'avoir un moment sans alcool. Donc il a tout détruit, il n'a plus de travail, il n'a plus rien, il n'a plus de vie finalement, il est séparé de ses enfants depuis quelques années, et apparemment il a divorcé à cause de l'alcool. Donc je dis à ceux et à celles qui se préparent pour leur premier verre, dans une soirée par exemple, ou ceux qui pensent que le vin ou l'alcool va les aider à surmonter leurs problèmes. Ils rêvent, vous rêvez, éveillés, les yeux ouverts. L'alcool, l'ivrognerie n'a jamais résolu des problèmes, au contraire. D'accord? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala aide nos frères et sœurs qui ont été frappés par ce fléau. Qu'Allah leur facilite, qu'Allah facilite à notre frère Abu Iman, le père de Iman, qui s'appelle Hakim. Faites-lui des doigts, faites-lui des doigts. Aslah Allahu lakum ad-dunya wal-akhirah. Vous m'avez manqué. Cette expérience a fait que je me suis remis dans le rappel. Faites des doigts, inshallah, pour que je continue à me déployer. Tirez-moi les oreilles quand vous voyez que je m'éloigne. Parce que le rappel est extraordinaire. Il arrive toujours, alhamdoulillah, à faire changer des vies, à marquer des gens, à les faire élever. Et les témoignages, alhamdoulillah, n'arrêtent pas. Donc continuez, s'il vous plaît, à servir Allah subhanahu wa ta'ala en vous déployant sincèrement dans le chemin de l'haq, de la vérité, de l'khayr, le bien, le sidq, de la véracité, de l'hikma, de la sagesse, de l'amour pour l'autre quel qu'il soit, de l'amour pour l'autre quel qu'il soit. N'oubliez pas, faites des invocations, s'il vous plaît, pour Hakim et pour tous ceux qui souffrent et qui sont frappés par les calamités, drogue, cigarettes, alcool, fornication, façade, éloignement, apostasie. Faites des doigts pour tous nos frères, quels qu'ils soient, nos frères en islam et nos frères en humanité. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh.